La sauce bolognaise, il vous faut 2 échalotes ou un gros oignon, 2 feuilles de sauge, une branche de romarin, un bouquet garni, 5 tomates et un bouillon de volaille que vous ajoutez. Une branche de céleri, une gousse d'ail, 250 g de viande hachée. Il vous faut aussi de l'huile d'olive, sel et poivre. Donc je vais prendre les échalotes que je vais hacher, le céleri. Vous mettez tout ça dans un récipient et vous réservez. Thé à chauffer, voilà. Donc là vous mettez l'huile. Pendant que ça chauffe, je vais prendre les tomates, donc qui ont été mondées, c'est pareil, que je coupe grossièrement. C'est beau quand une huile chante comme ça, hein. Vous voyez, donc c'est très bien. Donc là, on met la viande. Voilà. Alors, vous voyez, regardez, ça va bientôt être brune de partout. Là, nous rajoutons donc, oignon ou échalote et céleri. Alors c'est pareil, il faut bien faire revenir le tout. Maintenant, nous allons prendre, mettez tomates. Là, je vais couper finement l'ail. C'est-à-dire que l'ail est là comme un, pratiquement comme un condiment. Alors là, on va mettre un bouillon de volaille que j'écrase. Voilà. Vous voyez ça, les odeurs commencent. Donc, les feuilles de sauge, le bouquet garni. Et donc, le romarin, voilà. Et voilà, ça suffit amplement. Donc, ça dépend la saison, mais en pleine saison, les tomates sont plus rouges. Donc, la couleur de votre bolognaise serait un peu plus rouge, alors que là, elles ne le sont pas très. On le couvre. Alors, ou vous le laissez cuire comme ça, tout doucement, pendant une demi-heure, ou alors, vous le mettez au four, dans un four à 220. Alors là, le mot change, ça va être un braisage, on fait braiser la bolognaise.